Et me voilà avec Michael Blanc, qui est sorti de prison en 2014. Bonjour Michael. Bonjour Jean-René. Vous allez bien? Ça va. Alors, vous avez été en prison de 2000 à 2014 pour un trafic de drogue et de la drogue dans des bouteilles. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Franchement, dans cette histoire, je suis la victime, moi. Je venais faire de la plongée gentiment, tranquillement. Je voulais voir les tortues, les crocodiles, les caïmans. Et au moment de prendre l'avion au retour, y a Samir, il me dit « Tiens, prends ma bouteille, je vais chercher un kebab. » Et alors, je prends la bouteille, je lui dis « Prends-moi des frites et tout, tu sais. » Et là, il y a deux gars qui arrivent, FBI, contrôle de bouteille. Contrôle de bouteille. Et puis alors là, stupéfaction. Ils auraient retrouvé du chocolat. Moi, je mange jamais de chocolat. J'aurais mis du chocolat dans mes bouteilles. Du sucre. Mais là, je prends pas de sucre. Moi, c'est le sel. C'est pour ça que je vais dans la mer. J'ai du sucre. Moi, j'aurais une crêpe. Jean-René, voyons.